Et y'a plein de gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous parler du DLC Le Cri Pay partie 2. Donc on se retrouve avec la Pegasi T20. Donc elle est vraiment super bien, mais vraiment très chère. 2 220 000. Donc comme vous pouvez voir, quand j'accélère, y'a les lambeaux qui se lèvent. Aussi, y'a les portes en papillon. Et quand on l'améliore vraiment bien, c'est elle qui va le plus vite. Donc j'essaierai de faire une vidéo pour faire le test contre la Pegasi aussi vs la Pegasi T20. Et on verra lequel est la meilleure. Donc on se retrouve tout de suite avec le col pour le. Et donc voilà, on se retrouve avec le col bleu. Donc j'espère que je l'ai bien prononcé, donc qui est vraiment assez stylé aussi. Donc il a vraiment des grosses suspensions et tout ça. Donc par contre il n'est pas amélioré parce que je suis dans un affrontement. Donc on va le tester tout de suite. Donc l'intérieur, voilà, donc un intérieur normal, comme à peu près les autres véhicules quoi. Donc il fait partie de la catégorie tout terrain et non SUV. Il ne monte pas sur les véhicules pour ceux qui se posent la question, je viens de tester, vous avez pu voir. Donc il est vraiment bien. Son prix est de 715 000 euros. De toute façon vous pourrez le voir à l'image. Donc voilà, donc j'ai tout de suite passé à l'autre véhicule, à la Dinka Vintador. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve avec la Dinka Vindicator. Donc j'espère que je l'ai bien prononcé. De toute façon vous verrez le nom en haut à droite. Donc elle est vraiment stylée. Elle a le turbo comme la Electro. Donc regardez, hop là. Je vous l'ai mis pour le prix de 650 000 euros. Donc par contre elle avait pour la personne pour la vitesse, ça change comme vous pouvez voir, ça change des autres motos. Donc c'est vraiment stylé et ça fait du bien un peu de changer pour la première vue à la première personne quoi. Donc voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour la Shido. Allez, moi je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve avec la Vapid Shido, qui est vraiment assez classe comme vous pouvez la voir. Donc belle, mais voilà, sans plus, ça va pas vite. Donc je montrerai sa vitesse. Le vue première personne, voilà comment elle est. Donc elle est normale, voilà, comme une Vapid quoi. Voilà, d'extérieur elle est pas mal. Après faut voir en améliorant. En tout cas vous me direz ce que vous en pensez de ce véhicule. Et on va se retrouver tout de suite pour le taureau, donc le nouveau bateau. Et donc là on se retrouve avec le taureau. Donc il est vraiment le lampadati. Le lampadati. 1, 3, lampadati. Donc bref, taureau. Donc franchement il est vraiment assez classe. On voit le moteur à l'arrière. Vu première personne comme ça. Et les sièges à l'arrière. Le klaxon. Et sa vitesse, on va la tester tout de suite. Donc je l'ai pas encore testé, donc on va le découvrir ensemble. Donc ouais ça va. Il va assez vite quand même hein, pour un bateau, donc on va regarder sur la carte. Ouais, il n'y a pas... Voilà, après il freine assez vite, donc c'est bien. Il fait vraiment bateau de luxe et tout ça, donc assez stylé. Pour le prix de 1 700 000, donc je crois que 5 700 000 sont un afficheur en haut à droite. Je pense que vous en pensez pour ce véhicule, donc on se retrouve tout de suite pour l'événement. Allez. Et donc voilà, on se retrouve devant la boutique de vêtements. Donc je vais montrer les nouvelles tenues. Donc qui sont moins chères que les Disney. Donc la partie 1. Donc l'investisseur pour 26 000. Donc regardez les prix, hein, vous pouvez les voir à côté. Voilà. Donc ils sont vraiment assez stylés. Donc celui que je préfère c'est le VIP qui est assez pas mal, mais c'est les chaussures que j'aime pas trop. Mais après voilà. Jet set, voilà. Donc ça, voilà, c'est ça pour les tenues. On va passer pour les chaînes. Donc pour les chaînes, attendez, juste aller en bas, hop là. Donc voilà, il y a celle-ci. Donc elles sont moins chères aussi. Donc la plus chère, voilà, c'est 23 000, non 24 000. Voilà, hop là, je montre tout ce qu'il y a. Tac, voilà. Voilà, après ça s'arrête, voilà. Au gros médaillon, au gros maillon or. Après, il y a les boucles d'oreilles, donc les paires.
celle-ci. Tu les montres assez vite, hein. Puis c'est petit donc. Voilà. Donc voilà, elles sont moins chères franchement, donc ça fait plaisir qu'ils les aient un petit peu baissées. Donc attendez, je suis un petit peu trop loin, je crois. Bon, voilà. Donc c'est les 10 premières. Après, pour les écharpes, bah, je sais pas les voir, mais vous pouvez voir qu'il y en a des nouvelles. Donc c'est les 5 premières. En montre. Pour les montres. Donc voici les nouvelles. Voilà, merci. Voilà, donc à ceux-là. Donc elles sont moins chères aussi. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment assez stylés aussi. Donc je vais aller jusqu'à. Voilà. Ça finit à. Attendez. Je vous les montre aussi, hein, pour les voir. Ouais, je crois que j'ai déjà dépassé. Bon, c'est pas grave. Donc je vous les montre toutes. Hein. Hop là, voilà. Donc, ça s'arrêtait avant. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez pu voir un petit peu pour les montres. Je vais vous montrer pour les chaussures. Donc il y a juste une petite tenue. Donc je vais vous la montrer. Alors, c'est les mocassins. Voilà. C'est ces deux nouvelles chaussures. Donc voilà, j'espère que pour les amis, ça vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour les armes. Et donc voilà, on se retrouve devant la boutique d'armes. Donc dans la munition. Donc voilà les armes. Donc je vais vous montrer. Alors, le pistolet de précision. Donc voilà. Il coûte 4000 et des poussières. Et le point américain que tout le monde attendait. Donc vous avez plusieurs. Voilà, donc c'est celui-ci le plus cher de 14 000 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Donc voilà, il est assez stylé. Donc je vais l'acheter. Puis on va aller le tester si ça vous dit. Tac, point américain. Tac, tac. Tac. Attends. Bonjour, civil de merde. Donc voilà, donc ça les tue en un coup les civils. Donc pour les gens qui ont demandé, bah, y a la réponse. Pistolet de précision. Bah le pistolet de précision, pareil. Il tue en un coup. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Et j'espère que pour les armes, ça vous plaît. On se retrouve tout de suite pour le pour les coiffures. Et donc voilà, on se retrouve devant le salon de maquillage. Donc, enfin dans le truc de maquillage quoi. Donc, salon de coiffure. Donc par contre, ça sera que dans le maquillage, donc yeux. Et là, hop là, dans les dernières. Donc ça sera cela. Donc il y a ceci. Vous pouvez augmenter l'opacité et tout ça. Donc voilà, je vous montre un peu punk. Tac. Voilà, je vous montre. Donc voilà, ça c'est que cela les niveaux. Donc j'ai regardé. Come back anytime. Donc celle-ci a fait un peu flipper quand même. Pas moi, mais bon. Pour les plus petits, ça pourrait leur faire flipper. Ça fait comme un truc de vampire, ça c'est marrant. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Allez, moi je vous dis peace.